Salut tout le monde, c'est Rayluis et aujourd'hui nous retrouvons pour l'épisode 3 de Golden Sun de l'âge perdu. J'espère que vous allez bien. La dernière fois nous étions allés dans un temple, nous avons passé l'épreuve pour obtenir le piquet sacré, je crois, ou céleste, je sais plus, qui nous a permis d'apprendre la psy-énergie reliée. Et aujourd'hui, avant de nous attaquer à la prochaine zone, nous allons revenir au phare, enfin, pas au phare, au mausolée, se trouvant ici. Ok, donc là, il n'y a rien. C'est juste pour sortir. Et nous avons donc vu une petite cinématique où nous devons relier la corde jusqu'à là-bas. Seulement, je vais visiter cet endroit ici. Qui sait ce que je peux y trouver? D'accord. Nous allons donc l'aider en utilisant un relier. Ouais, mais juste avant, une créature très très intéressante tout cela. Peut-être est-ce un djinn? Ouais, je pense tout de suite au djinn, moi. Ah oui, oula. Alors là, si vous voyez, il y a une différence de sprite entre les deux. C'est que ce djinn, enfin cette planche, se brise. Regardez, hop. Elle se brise, ça se voit bien. Donc... il y a forcément une énigme à la clé. C'est avec des chemins à faire, sans doute. Donc vous m'excuserez si je tombe, mais il faut que je planifie mon chemin. Bon, là évidemment il n'y avait rien, je me suis fait honteusement avoir. Ah, il y a des combats quand même. Pas exagéré qu'il n'y a pas de combat. Ah, sinon je suis passé vite fait à Daïla où j'ai acheté un peu d'équipement et des nouvelles armes pour tout le monde. On voit, j'ai pris le meilleur stuff possible. D'accord, ok, je viens de pouvoir comprendre. Une chose que je trouve un petit peu dommage dans les deux premiers Golden Sun, et je sais plus si ça a été corrigé dans le 3, c'est que lorsque... ok, donc je peux pas aller là. C'est que lorsque vous visez un ennemi et que cet ennemi est mort et qu'il y avait au pif 2-3 personnes qui devaient le battre, et ben vous ne pouvez... ben c'est impossible. Ils seront obligatoirement en... ils se protégeront automatiquement. C'est vraiment dommage. Au moins qu'ils se ciblent un autre ennemi aléatoire. Bon. Cette fois, ne me demandez pas comment cette planche s'est remise, je ne sais pas. Putain, il est allé loin quand même ce djinn. Il y a des traces de pieds. Et si j'allais à gauche? D'accord, en fait c'était plus rapide d'aller à gauche. Mouille. Donc là il n'y a rien.
trois escaliers. Super, c'est encore labyrinthique. J'aime pas trop ça quand c'est labyrinthique. J'aime vraiment pas du tout. Voilà. Genre, voilà, t'as le djinn, il te passe sous le nez. À mon avis, ça devait être obligé. Si, passe au-dessus de moi, mais je pète un câble. Non, ça va. Je me mets pas, ne me troll pas trop, quand même. Alors là, la petite énigme assez simple. Faut juste mettre ça. Sinon, il va courir. Voilà, il est bloqué par la flamme. Je vais me soigner. C'est bon, jamais si je dois le battre. Et c'est parti. Il est pas content. Bataille. Alors, écho. Voile et va te faire. Oui. Ok, donc je dois mettre un max de sorts de type terre. Donc on invoque Vénus. Et un petit coup de rayon. Et voilà, un djinn avec nous et un level up. Deux level up. Parfait. Donc je vais l'assigner à Cilia pour augmenter son attribut. Voilà, j'arrive à le dire. Ah bah tant mieux, aura immédiatement les PV. Génial, bon bah tu vas le lire. Bon maintenant que cette petite énigme a été sympathique et fait, qu'est-ce que putain de quoi? Attendez. Oh wait, ça serait pas un phare élémentaire là où je suis? Non, quand même pas. Je sais pas du tout. Je suis en train de me perdre. Faudrait que j'y retourne et que j'ai le bateau. Là, y a pas mal à déjà dépasser les 100 points de vie. C'est super. Revenir à un endroit où je crois que j'avais pas tout visité. Ah, c'était par là. Non, je vais fuir. Je vais pas continuer ma vie entière à combattre. Ah, mais non, mais je suis obligé d'aller là en fait. Et sortir. Voilà. Pour réinitialiser la RNG. Ah, je me disais bien que j'avais zappé quelque chose. Je sais pas ce que je voulais faire. Un fantôme veut être un peu plus fort. Ouais. Bon, un sort de stat. De toute façon, il est mort. Je me disais que j'avais zoupé. Oui. Je parle en bon français. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Je me souviens. Il faut que j'aille dans cette salle lorsque j'aurai une psy-énergie adaptée.
Ouais, c'est exactement ça. Ça doit être. Alors, si je ne me trompe pas, la psy-énergie, c'est. Vision. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un objet à récupérer et ça doit. Il me faut vision. Par contre, vision, je pense pas que je l'obtienne très très vite dans le jeu. Non. Du coup, il va falloir que je me note quelque part de retourner au phare à. À droite, oui, c'est la droite. À droite de Daïla. Il va falloir que je m'en souvienne. Bon, bah, un épisode qui commence sur le chapeau de roue. Est-ce que ce nom est répertorié? Ouais, c'est le mausolée. Il va falloir que j'y retourne un jour. Je continue quand même à gauche, à droite. Non, il n'y avait rien. Bon, et ben, on va aller à la prochaine zone. Non, je veux pas aller là. Si, on dirait vraiment que c'est un phare alimentaire. Non, c'est pas un phare alimentaire, c'est un phare quelconque. Allez, je suis allé à gauche, à la fin, on va aller à droite. Il y a une petite zone là, est-ce qu'il y aurait un djinn secret? Non, il n'y a que de l'herbe. J'explore un petit peu, sait-on jamais. Des créatures extrêmement dures maintenant à battre. Bon là, je vais juste la battre avec les armes conventionnelles. Hop là, donc là, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici? Un squelette. Mon dieu. Il a esquivé mon coup, ça c'est un ennemi redoutable. J'ai très très peur. Voilà. Donc nous sommes à la prochaine zone. Le plateau du décan. Mention spéciale pour la musique. J'adore cette musique perso. Par où passer? Quoi qu'il en soit, je vais tomber. Si je vais par là et par là. Voilà, la petite animation quand on tombe, je trouve ça très très beau personnellement. C'est mignon. Gilet métallique. Ah ouais, il donne. Voyons, je donne toujours ça à la personne qui a le moins. À qui ça va augmenter le moins possible. Ouais, bah non. J'équipe sur Pavel. Savoir que à chaque fois que vous trouvez une petite équipement, donnez-la à celui ou celle qui a le moins de d'armure. Voilà, je suis passé. Ah, oui. Il s'effrite, ces pylônes. De l'élixir. Ah ouais, c'est un passage et va te faire après. Gentil. Je combats sur un pylône. Techniquement, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais ça doit être extrêmement dur. Et en plus contre un gnome c'est pas censé être léger léger. Bon, on va prendre des risques. Voilà. T'as pas mal d'XP quand même.
Un pilier, je ne peux rien faire avec. Je ne peux pas le déplacer, je les reconnais, les piliers déplaçables. Énigme. Je me suis fait honteusement interrompre, ça ne veut rien dire. Donc on va tout de suite traverser ce petit passage. Ouais. Je suis bloqué, n'est-ce pas? Ouais. Ah non, il y avait un coffre. Ah bah cool. J'ai trouvé de la menthe. Au cas où mon haleine sentirait vraiment mauvais pendant les combats, j'utilise toujours la menthe. Parce que je le vaux bien. Le bon copyright. Toujours Lina qui se fait mettre un max de dégâts, je ne comprendrai jamais pourquoi. On me fait penser qu'il faudrait aussi que je change les couleurs des interfaces. Parce que c'est relativement moche. Je ferai ça plus tard. Réfléchissons. Mais oui, c'est très très clair. Ouais. Ah non, je peux pas passer en diagonale. Bon, dommage. Ça aurait pu marcher. Mon dieu, j'ai l'initiative. Je me casse. Pas vraiment comment faire. Ouais. Et tout ce que j'aurais à faire, c'est aller jusque là et c'est tout. On a fait déjà deux fails. Non, même plus. D'XP et de l'or surtout. Bon, voyons. Si je passe par là. Ah, alors je suis un crétin en fait. Voilà. J'avais oublié qu'on pouvait sauter par-dessus les trous. C'est un peu débile de ma part. Là. Bon. Je veux savoir comment c'est possible. Ça fait deux fois que je combats sur un pilier. Et on est trois sur le... on est quatre sur le pilier. Alors je sais que c'est de la magie, mais non, mais faut pas exagérer non plus. Si je... Non, je peux pas aller par là. D'accord. Bon, j'ai quand même attrapé le coffre. À mes risques et périls. C'était pas le bon chemin. C'est toujours pas le bon chemin. Mais qu'est-ce que what? Ah oui, d'accord, je me suis gouré en fait. En fait, dès le premier, fallait pas que j'aille en bas.
que j'ai fait. Je suis tombé des escaliers, c'est pas ça. Voilà, donc. Voilà. Voilà, c'est ici. Donc ensuite. Voilà. Je ramasse le coffre. Waouh. Une hache Thémis. Ouh, c'est une relique en plus. Ah bah je voulais équiper. Lance géo-justice. Ah bah c'est en plus je peux voir le coup spécial que ça met. Ah bah tenez, on va essayer sur ce soldat rat. Ouais bah et donc, la chance, ça lance des cailloux. Bon, maintenant que j'ai récupéré cette arme, ma foi, craquée pour cet instant du jeu. Ah bah deux fois de suite. Bon ensuite il faut que j'aille là. Voilà. Chemin extrêmement compliqué. Et regardez-moi ces nuances de bleu. On en voit 4. C'est magnifique. Voilà, ça c'est fait. Oula. J'ai envie de tomber dans le trou, mais juste pour voir où ça mène. Je ne sais pas quel est le pourcentage de chance que une... Oh. Ah bah il y avait rien je crois en plus là-bas. Bon bah tombons. Nous avons vu un djinn de Mars. Et il est là-haut le petit coquin. Ah ouais, en fait j'avais rien si j'étais pas tombé. Ah mon dieu, il s'échappe. Et moi je pousse le pilier parce que je n'en ai rien à faire. Alors à quoi ça sert? Bah juste à rien, c'était juste un raccourci. J'ai fait un pas. Possible de s'échapper, tant pis. Voilà. Oh mon dieu, il saute. Quand même juste descendre parce que je crois qu'il y a pas mal, il y a deux ou trois items à choper. Bon déjà ça on le fait descendre, voilà, ça on fait monter, on l'utilise relié ici pour attraper un objet, espérons que ce soit un objet craqué. Voilà, je l'ai mis, voilà, non ça c'était déplacé, voilà. Une noisette. Ok. Pourquoi pas? Après tout. Là, je suis coincé.
Ok, et ça me ramène au nord. Ok. Bon bah j'ai plus qu'à remonter. Après avoir poutré la face au mini gnome. Regardez-moi ce paysage. Je m'arrête une seconde. Quand même, à cette époque, la Advance pouvait afficher de beaux trucs. Moi, je trouvais ça très très beau à l'époque. Oh, qu'est-ce qu'il vient d'utiliser? Et c'est bon, vous avez fini de me stalker comme ça? Moi, je me barre. Oui. Juste soigner des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Rien du tout. C'est bon à savoir. Et en fait là il vous oblige à faire tout le tour. Ah le petit salaud. Ah bah oui, mais vu que je suis sorti de la zone... Attends, je vais essayer quelque chose. Je vais voir si ça marche, si en entrant, entrant de la zone, le trou il est rebouché. Non. Je le garde tel qu'il est après le passage du djinn. Évidemment qu'il me fait n'importe quoi. J'avais complètement oublié qu'il pouvait faire des choses pas très sympathiques. Ouais mais non, là je suis obligé de me rater, c'est ça. Parce que je pense pas que ma portée de déplacement soit assez longue. Ah d'accord. Un level up, parfait. Deux level up. Il y a les niveaux combien? Les niveaux 7 elle devrait... Moi je pense que... Non, mince. Voilà. Je pense que c'est à peu près le même stade d'expérience que Lina.
backtracking obligé. Sympathique. Le mini gnome, je le fume. Ah, pas encore. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près le même stade d'expérience que Lina. Bon, moi c'est bon à savoir. Mais alors. Ouais, c'est dans l'histoire, c'est pas belle qu'il y ait le moins d'expérience. Étrange tout cela. Enfin bon. Ouais, il y a plusieurs chemins. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, donc là, il y a plusieurs chemins. Je vais prendre celui d'en haut. D'accord, donc là c'est si je tombe sûrement. Donc si je vais par là, je dois revenir en haut. Et là, il y a rien du tout. Voilà. Ah, il y a des endroits plus enfoncés que les autres. Ok, donc. Ici, je pense que si je vais là, il va y se passer un coup de pute. Voilà. Là, faudra que je pète ça. Voilà. Où est-ce qu'il est tombé? Ouais, mais non, ça c'est inutile. Je vais me soigner un coup vite fait. Je dirais là. Oh bah, premier coup. C'est pas de la chance. Presse cubique. Ça c'est vrai que presse cubique donne enfoncé. Ah ah. Mais moi on va utiliser ça. Je vais monter par là si ce n'est quand même. Si ce n'est quand même que j'aurais voulu savoir ce que ça fait. Où mène ces deux endroits là. C'est puissant. Donc ça m'amène ici. Un chemin sans doute pour la fin. Ah non, il y avait effectivement un chemin caché. D'accord, en fait c'est pour le début. Ok, est-ce que je crée des raccourcis? Ouais. Là, je pense que si je sors, ce sera la fin. Donc que je vais pas y aller tout de suite. Ensuite, je vais prendre l'escalier à droite qui me mène à une autre entrée et un combat que je vais fuir. Ah ah, ok, je comprends mieux. Ouais, c'était un piège. Comme quoi, il ne pourra pas s'enfuir, le petit salopio. Et donc là, c'est l'escalier. Oui, c'était là où j'étais. Bon, évidemment, ça s'est remis. Du coup, je capture le jean, je sors et puis on va s'arrêter à la prochaine ville ou village. Voilà, c'est parti pour le jean de Mars et puis j'aurai un jean de chaque dès le début. Faire la sauvegarde quand même, sait-on jamais.
non. Allez, combat. Alors, Vénus, Mercure et Jupiter. Alors, les attaques air ne marchent pas très bien, les attaques de eau marchent assez bien. Et Vénus, moyen. Ok. Alors, on va utiliser séisme. Faisceau, tiens. On va voir ce que c'est. Et choc. Un nouveau pouvoir. Ah ouais, c'est assez mal. Faisceau, c'est un... Ouais, d'accord. Séisme. Ah bah, c'est fini. Bah, parfait. Canon. Attaque avec la force de Mars. Par contre, je vais le donner à Lina et le lier pour augmenter ses PV son attaque. Ouais. Voilà. Bon, bah, tout cela est relativement parfait. Je vais pouvoir m'en aller. Quitter le plateau du décan. On va voir ce que ça donne ce djinn. Canon sur le squelette, des soupirs sur... Ah oui, parce que faut que je me remette les... sur Lina. Ah ouais. Ah, ça ne rigole pas. On a je pense qu'on a parcouru pas mal de endroits, enfin de chemins. Ah oui, en position actuelle, plateau du décan, temple, attendez, plateau du décan, si je me repère, vite fait, ouais, on a traversé pas mal d'endroits. Et il y a un bateau ici, côté est d'Indra, enfin côte est d'Indra. Ah bah tiens, un bateau. Magnifique bateau d'ailleurs. Ah, je pense que c'est les voyages, les vagues. Bien, donc allez, est-ce que je visite ce bateau vite fait? Allez, non, je me réserve une surprise, la surprise pour le prochain épisode en votre compagnie. Merci d'avoir suivi celui-ci jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit like, de commenter la vidéo si elle vous a plu et si vous avez des conseils, de vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos, et de me suivre sur Twitter, @raelus1. Bon jeu, et à la prochaine.